dirais assez évidemment la victoire avec Sultan dans le Grand Prix 5 étoiles de Bordeaux. Les pâtes. J'adore les pâtes. Alors, on mange beaucoup avec ma fille des spaghettis bolognaises. Sinon, les pâtes ketchup, gruyère, ça n'a pas de prix. Non. Peut-être la veste, parce qu'on a rigolé un peu avec ma sœur en début d'année, parce que j'ai une nouvelle veste hors pilote Bordeaux que je trouve très jolie. Et du coup, que j'ai mis pas mal en début d'année. Et dès que je remettais mon ancienne veste bleue, je faisais 4 points. Et du coup, ma soeur m'a dit, arrête la veste bleue, continue avec la veste Bordeaux. Encore Bordeaux. Non, après, Bordeaux, bien évidemment, parce qu'au-delà d'avoir gagné, c'est un concours incroyable avec une ambiance de dingue. Après, je trouve qu'au concours de Dinard, qui est un concours extérieur, assez grand, avec une grande piste, on peut retrouver un peu ce genre d'ambiance avec un public incroyable. Alors, le mojito, je ne suis pas très fan du mojito, la caipi me fait très vite mal à la tête. Non, les cocktails, c'est pas trop mon truc, les cocktails. Alors, on a actuellement une douzaine de chevaux. On en a un qui est parti, un autre qui arrive lundi. Voilà, on tourne à peu près autour de 12. Alors aujourd'hui, c'est Dakar, mon cheval de tête. Dakar a plein de qualités. C'est un cheval très respectueux, très beau, qui bouge très très bien. Ses défauts, je pense qu'aujourd'hui, voilà, le couple n'est pas encore complètement formé. Bon, bah, ça reste un entier avec son caractère. Il faut que j'arrive à me mettre encore un peu avec, à créer encore un peu le couple, mais ça me semble en bonne voie. Très très tôt, je suis née dans une famille de cavaliers et bon, je ne pourrais pas dire exactement, mais on a commencé à faire du Shetland avec mon frère. On devait avoir 3-4 ans. Je vais pas être très originale, mais je dirais Fit for Fun parce que bon, elle a quelques petites ressemblances avec Sultan peut-être. Et puis je pense que ça reste une jument vraiment incroyable que j'aurais bien voulu monter. Alors je dirais plutôt montagne, c'est assez contradictoire. J'aime pas trop me baigner. Les gens qui me connaissent vont sûrement rigoler. En m'entendant dire ça, j'aime bien skier, j'aime beaucoup skier. On a la chance d'ailleurs de partir régulièrement avec Pauline au ski une fois par an. Donc ouais, plutôt montagne.